La vie en Estrie vous est présentée par le Journal de Sherbrooke. Bonjour tout le monde, bienvenue à La vie en Estrie. Aujourd'hui, j'ai une conférencière qui vient nous parler de nos agendas qui surchauffent. Mais tout d'abord, c'est le grand retour de quelqu'un que vous connaissez sûrement. Regardez ceci. Vous étiez donc bien beau. Jean-Nicole, bienvenue à La vie en Estrie. Bonjour. Bonjour, Valérie. La passion est toujours là, puisque vous venez me présenter aujourd'hui votre dernier album entièrement composé par votre passion, par vos idées. D'abord, félicitations. Merci beaucoup. Et là, il faut dire aux gens que vous avez participé au Retour de nos idoles en 2012 et que vous avez volé le show en partie. Alors vraiment, la réponse, elle est là. On vous a dit ça, vous? On m'a dit ça récemment. OK. Alors, comment vous vous sentez avec ce retour-là? Bien, ça a été exceptionnel. Le Retour des idoles, ça a voulu dire pour moi, regarde, c'est pas fini, là. On continue. Et puis, je me suis préparé avec un nouvel album, 12 nouvelles chansons. Le matériel, il y en a que ça fait longtemps qu'on l'a déjà en réserve et on l'a remodelé, si on veut. On l'a mis dans le son d'aujourd'hui. On a corrigé des textes, les musiques et tout. On a fait les arrangements. On a mis tout l'été là-dessus. J'ai passé l'été enfermé dans des studios. Et en plus de faire des spectacles les fins de semaine, j'étais très occupé cet été à faire cet album-là. Et ça vous a rappelé des souvenirs parce que là, vous étiez très, très populaire dans les années 60-70. Mm-hmm. Juste Lady Mary, Oh Lady Mary, a été numéro un pendant plusieurs semaines. On vous appelait même dans le temps le Tom Jones québécois puisque vous aviez fait la chanson Une minute de ton temps, qui était une traduction dans le fond. Et là, récemment, vous avez été faire un spectacle à Windsor, votre ville natale, parce que vous venez de l'Estrie. Et c'était la folie. Ça vous a vraiment surpris. Ça m'a surpris que dans ma ville natale, que j'ai cet accueil-là. Ça a été extraordinaire. À la salle des Chevaliers de Colomb, organisée par la propriétaire du Bonheur d'Italie, un petit restaurant. C'était pas assez grand chez elle pour produire le show. Et puis, elle a loué la salle des Chevaliers de Colomb. Et puis, on a eu un succès phénoménal. Et puis, c'est comment les gens m'ont accueilli. Ils sont venus me chercher. Les émotions ont pris, là, vraiment fort. Et puis, j'aimerais remercier les gens de mon patelin natal. Oui, je comprends. Windsor, merci. Je comprends, j'en ai des frissons. Ouais, ouais. Et là aussi, j'aimerais qu'on invite les gens à écouter tout de suite des extraits parce qu'il y a beaucoup d'énergie puis il y a beaucoup d'amour dans cet album-là. Oui. Vraiment. Oui. Dancing, oh, dancing. Quand je danse avec toi sur le plancher de rêve et de joie. Chasser mon ennui, je suis bien. Mon cœur de gitan se met doucement à rêver. Ouais. Alors là, on vient d'entendre le medley. Parlez-nous un peu, parce que je sais que vous adorez votre femme, vous en parlez beaucoup, et c'est la femme derrière l'homme, c'est la femme qui vous a supporté dans tout ce que vous avez vécu. Parlez-moi, entre autres, de ma chanson coup de cœur qui est « Tu peux toujours compter sur moi ». Tu peux toujours compter sur moi. C'est une chanson... Je ne l'ai pas écrite... c'est pas celle-là que j'ai écrite pour mon épouse. La chanson « Tu peux toujours compter sur moi », c'est l'histoire d'un gars qui fait une erreur monumentale. Vous savez, la pas du gain fait tomber bien du monde. Hein? Depuis quelques années, on entend parler que ça. Les gens qui, pour la pas du gain, font des erreurs monumentales. Et puis, j'ai écrit ça
sur ce sujet-là. C'est l'histoire d'un bonhomme qui fait une erreur monumentale, puis c'est mon meilleur ami, puis je lui dis, tu peux toujours compter sur moi. Et tu sais, c'est pour ça que j'ai écrit ça. Mais la chanson que j'ai écrite pour mon épouse, ça s'appelle « Je ne serai plus rien sans toi ». Elle, je l'ai vraiment écrit pour elle. Et cette femme-là, qui est un peu de votre inspiration dans la vie, dans le fond, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'amour dans ces chansons-là. Mm-hmm. Là, vous allez venir vous promener, vous allez aller en spectacle. Oui. Dont chez nous, le 27 octobre, à Drummondville, à la Maison des arts Desjardins. Et oui. Là, vous avez pris confiance. Là. Vous avez vu la réponse là, à nos idoles, à Windsor, tout ça. Alors, mm-hmm. là, vous êtes rassuré? Vous allez pouvoir partir le cœur léger puis faire votre tournée? Plus ça va, plus je suis rassuré. En fin de semaine dernière, on était à la Malbaie, à côté du casino, un resto-bar. Et on a fait Salcombe. Et puis à Québec, au Centre d'art La Chapelle, le samedi, on a fait Salcombe. Alors, c'est reparti. Et puis, je suis heureux. Je suis vraiment heureux. Puis c'est j'ai la chance, je m'aperçois que j'ai un public qui m'est resté fidèle. Il s'agissait de revenir, de montrer que je suis présent, que je suis là, pour me faire voir un peu plus avec les médias. Et puis les gens sont là, sont très fidèles. Et puis ils amènent des gens plus jeunes. On a des parents qui amènent les enfants. Et puis après le spectacle, ils viennent me voir. Ils disent, hey, monsieur, on vous connaissait pas, on a aimé votre spectacle, on aimerait acheter un disque. Et on a des gens beaucoup plus jeunes que ma génération qui viennent acheter mes disques. Alors, c'est très encourageant et j'apprécie énormément. Alors, qui sait où ça va vous amener, cette aventure-là? Monsieur Jean-Nicole, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui à La Vendestrie. Et on se quitte sur la chanson que vous avez écrite pour votre femme. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Moi, je ne serai plus rien sans toi. Ne plus jamais me fondre dans. Père qui guide tout.